Là, nous avons d'autres groupes qui sont constitués là, et nous avons une possibilité pour dire nous qui ça va être comme objectif, puisque nous tenons en pile la partie politique qui est dans le groupe ça, nous tenons deux blocs déjà. Nous voulons parler de aider, qui va diriger M. Joseph, qui est gré, qui est conscience et patriotique, qui est l'armée, qui est MOPOD, qui est MRN, qui est OPL, PHTK, PLH, MOPOD, qui est PNDPH, qui c'est signataire à quoi ça? Quel objectif est nouveau groupe politique ça? Bon, d'abord, existence une nouvelle coalition qui gagne tout parti politique, ça y est là-dedans, et des partis politiques représentatifs, c'est preuve que crise là atteint au niveau de maturité qui interpelle tout acteur, qui interpelle tout le monde, mais qui interpelle plus monde et qui croit que yo deux mettent ensemble pour yo et vraiment offrir une alternative. Une alternative à une échéance, par exemple, qui va arriver devant nous, qui c'est 7 février 2024, quoi nous tous connaissons. Monsieur Ariel Henry était signé avec quelques acteurs politiques un accord le 21 décembre 2022, accord politique ça qui est le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Et établi dans l'article 20, la fin de la période intérimaire, la fin de cette période intérimaire. Et le 7 février 2024. Bon, évidemment, quoi nous connaît, à cause ça, l'été est signé dans souci pour te prolonger mandat pour le ministre Ariel Henry, qui était chita dans l'accord 11 septembre 2021. Les Ariel Henry remarqué que les papes respectaient un engagement de prendre un premier accord, ils font un deuxième accord. Bon, il arrive que les pas respectaient un deuxième accord, et pas gagné un conseil électoral provisoire qui donc pas gagné élection, pas gagné un comité d'experts révision constitutionnelle qui donc pas gagné réforme constitutionnelle, pas gagné un organe contrôle de l'action gouvernementale. Pas gain plan global de sécurité, pas gain concertation nationale, donc pas gain véritablement aucun engagement et respecter aucun engagement que Ariel Henry te prenne en deux accords. Donc, je ne dis à nous-mêmes comme acteurs politiques, pas prêts pour signer un autre accord politique, et puis dit Ariel, puisqu'on t'es bien gouverné pendant 2 ans là, n'a pas ou t'es payé encore. Et nous comprendre évidemment, et Ariel Henry cumulé et presque toute poste dans l'exécutif là, les président, les premier ministre, les ministres intérieurs, et gon paquet de postes de façon informelle, c'est Ariel Henry qui gagne. Donc, il y a un peu le monde qui a demandé de dire comment on a retiré un tout puissant comme ça, je dis, ce pouvoir. Et c'est inquiétude, préoccupation, un peu le journaliste qui a avisé, pour dire qui ça nous gagne, pour nous retirer au monde qui est au puissant comme ça. Et moi-même, j'ai gagné plusieurs réponses à ça. Première réponse, évidemment, nous avons une dynamique de mobilisation, de discussion, de concertation, et niveau maturité qui est arrivé là, moi, je crois que j'ai gagné de réponses qu'à bail, et nous pensons qu'Ariel Henry a plein de raisons. Mais deuxième élément de réponse, là, bon, évidemment, et gagné mon idée plus puissant qu'Ariel Henry, moi, qui bat bas. Et parce que ça n'a vivre là aujourd'hui, moi pas quoi que gain monde qui prêt pour accepter et bail feu vert avec un gouvernement qui est incapable, qui est impopulaire, qui est décrié. Donc c'est dans ce souci ça nous camper pour offrir une alternative et pour pas quitter un vide qui créé dans départ et Premier ministre Ariel Henry 7 février ou bien avant 7 février 2024. Ok, maintenant, ensemble d'organisations politiques, si nous partons dans la déclaration de Kingston, nous sommes dans le collectif 3 janvier ou bien dans d'autres structures encore, qui sait qui pas de gain dans leur structure, dans notre groupe, regroupement politique, nous sommes là dans nous, et qui sait qui pas de gain, nous allons porter qu'on y a là pour atteindre l'objectif. Bon, c'est complémentarité, et c'est complémentarité. Il y a gain, par exemple, dans la déclaration Kingston. Déclaration conjointe de Kingston ou pas de gain de monde qui signe accord 21 décembre 2022. Donc ou gain dans et fonds unis ou gain là-dedans
Donc ou gagne un ensemble de l'autre parti et qui au même pas dans aucun accord politique qui vient jeune Front Union. Donc moi pense que ça li important non li créer une autre dynamique et en dedans. Évidemment nous toujours resté dans et discussion yo pour nous joindre une issue heureuse à crise là. Déclaration Kingston n'a pas cabale toujours existé, mais ça qui est important aujourd'hui, il y a ou bien plus acteurs qui commencent à sentir nécessité pour mettre tête ensemble pour alternative là capable de plus inclusive. Est-ce que nouvelle structure ça libéral rentrer dans la logique CARICOM déjà établi là comme médiatrice pour qu'elle mette nos chita pour faire nous dialoguer avec pouvoir. Est-ce qu'on a toujours été dans schéma ça? Oui, bon, fort heureusement, et gagné une série de groupes qui en dans Front, hein, qui déjà sous table négociation, comme des démocrates n'ont pas quitté table là, nous reconnaître que pas gagné bonne foi beaucoup de premier ministre pour négocier une sortie heureuse à crise qui vient là, nous reconnaître ça, et c'est une optique ça même qui fait que n'a travaillé avec plus acteurs évidemment Front il était l'ouvri pour toute l'autre parti politique pour toute l'autre organisation qui voulait rentrer là-dedans pour venir réfléchir discuter ensemble sur meilleure façon pour nous combler vacances consécutives et au départ du premier ministre Ariel Henry. Maintenant là il y a un point qui va rentrer dans schéma là c'est force multinationale là qui va venir. Et depuis le vini, c'est pas lui, une autre reconfiguration, c'est pas dit ça comme ça, et cette politique-là, puisque même lui, il vini avec pour mission, pour que capable d'aider Haïti dans rétablir sécurité. Et là, perspective-là, c'est rétablir sécurité, organiser élection. C'est pas mettre mon sous pouvoir pour transition, et puis organiser élection après. C'est organiser élection avec mon gila. C'est ça. C'est ça, schéma, allez, c'est comprendre. Est-ce que nous, elle constate tout? Bon, nous-mêmes, nous pas jamais croire que schéma, et c'est vine là, vine supporter Ariel Henry, malgré, pendant 2 ans, il paraît maintenant, hein, malgré pendant 2 ans, c'est massacre, et pendant 2 ans, c'est insécurité généralisée, pendant 2 ans, c'est journaliste, y a kidnappé, y a tué, pendant 2 ans, et c'est, on t'a capable de dire, mise à grand goût, non pas quoi que ils ont force qu'a venir là la vienne supporter au monde et c'est pas ça nous quoi et nous quoi que si on force qu'a venir c'est effectivement une bataille aider nous et combattre gang yo si c'est ça parce que c'est ça on dit même si nous même nous bien pile réserve sur ça et nous tout connaît pas besoin répéter là mais et nous même non pas quoi que c'est au monde y a venir supporter. Et dans ce sens, ça, il est important pour nous-mêmes comme leaders responsables continuer de travailler pour anticiper crise ou bien vide qui est capable de créer. En même temps, vous ne pouvez pas venir tirer rien du pouvoir pour aucun monde, non? Non, mais nous ne pouvons pas demander aucune force étrangère pour venir retirer Ariel sous pouvoir, mais nous-mêmes, nous pas quoi tout qu'on force Kavina pour venir supporter Ariel Henry, pour venir museler la population, hein? Qui t'a décidé de prendre décider en main et donc nous-mêmes c'est ça nous croyons nous croyons que et fondamentalement parce que je vous dis par exemple ils ont peur mon yo pas voulu mon qui vraiment conscient situation pas marché mais yo pas voulu al prendre la rue al manifester et parce que on connaît gagné un rapport entre et capable de véritable bénéficiaire de question insécurité véritable bénéficiaire de question peur généralisée ça c'est gouvernement on n'y a pas besoin de pouvoir manifester à cause yo connaît évidemment bandit capable et tirer sur yo etc donc et c'est tout ça qui fait quoi que mais si t'as gagné une force de sécurité cabinet que nous mêmes nous gagnons toute réserve nous par rapport à lui même et mais pas nécessairement à venir pour venir supporter au monde venir supporter Ariel Henry et nous-mêmes n'a bataille pour c'est pas ça qui fait si de fait l'a venir mais n'a bataille c'est pas ça qui fait moi-même moi ouais et dans histoire pays a monde qui plus fort plus puissant que Ariel Henry parce que une préoccupation
et gen pil journaliste avisé gen, c'est un premier ministre qui cumule sous contrôle li an ba men poste premier ministre, chef l'état, chef gouvernement, j'en ai dit là, et ministre intérieur et plusieurs autres bagages encore. Donc, comment on va les tirer là? Donc, c'est une préoccupation ça. Maintenant, il y a une base d'argumentation ou développer là pour que nous disions qu'il faut qu'Ariel Henry aille le 7 février 2024 ou avant ça. C'est encore le 21 décembre qui était signé. Et on pense que l'étape fait plus sens si. Ou, par exemple, vous-même, ou des signataires à quoi, qu'on a exigé pour à quoi respecter, que, au départ, on partait, pas de quoi du tout, on partait, avec un pilote organisation politique qui n'en faut, pas de quoi du tout. Une chose d'alors, j'ai l'impression que nous venons plus remettre à quoi que signataires à quoi. Bon, dis un bagage qui est simple, et, bien, on va gagner un candidat à la présidence, qui vient président, par exemple. Même si moi pas de vote le président pour 5 ans et li pa ka vle fè 6 ans pas vrai parce que moi pas de vote moi bien droit dit que li pa ka fè 6 ans parce que il était président pour 5 ans bon dans tout, de toute façon c'est pas le cas mais moi voulais rappeler que dans Kappa et Ariel Henry nous même n'a aidé nos participants à quoi évidemment nos participants mais son accord et après le fin signé, il est passé en conseil des ministres, il est publié dans le Moniteur, journal officiel PIA et il vient by accord ça en valeur juridique mais en plus de et valeur juridique ça, il signé entre des parties, il vient gagner en valeur morale, moun ki signé de respecter. Donc nous-mêmes et nous pensons que c'est un document juridico-politique et qui vient toute valeur pour le gagner, non seulement mandé, ou pas qu'à, après de toute façon, 7 février 2024, faut que Gombagay qui t'a qu'un Ariel là, mais nous connaissons tout, il y a un pile manœuvre qu'a fait, excusez-moi, et monsieur Geoffroy, il y a un pile manœuvre qu'a fait pour gagner l'autre accord qui s'y est, et puis, l'accord, ça dit que pendant 2 ans, Ariel t'a bien gouverné, et mais c'est normal, c'est lui premier ministre encore, c'est lui président encore dans le pays. Donc, il n'y a aucun acteur qui est responsable et qui est capable d'accepter un bagage comme ça. Donc, même au niveau 21 décembre, même au niveau 21 décembre, faut nous supposer que il y a des monde qui est conscient, il y a des monde qui s'y inquiète de bonne foi. Parce que moi-même, je n'ai pas de problème avec mon qui s'y inquiète le 21 décembre. Nous pensons que pour la plupart, il y a la doctrine de bonne foi. Même pas quoi que, d'ailleurs, même eux-mêmes, et pour le ministre Poulet, dans Farine, même eux-mêmes, et frustrés dans le niveau paille. Donc, moi, je ne vais pas parler de frustration, mon qui s'y accord 21 décembre 2022. Mais évidemment, il n'y a pas gagné aucun engagement que le Premier ministre a pris à respecter. Donc, le Premier ministre est de facto, et M. Ariel Henry, il n'est pas sincère et tout le monde le sait. Donc, moi, pour nous. Excusez-moi, où est-ce qui piège, qui est capable de gagner dans le propre, ça n'a pas développé là comme argument, parce que nous mettons en pile force et dans l'accord 21 décembre, nous presque, comme Wanda Djouta, voulait parler de l'économie, comme une loi, ça, alors que c'est pas ça lié du tout. Maintenant, Wanda dit, tout poids, ça nous mettait là-dedans pour que nous basions, nous, pour nous dire, faut qu'Ariel Henry aille, en février 2024, là, et à travers l'accord ça, qui publie effectivement dans le journal le Moniteur. Anda dit, je t'avais fait un autre encore, puisque je t'évoquais ça là encore. Et il publie encore dans le journal Le Moniteur qui dit, monsieur a prêté 3, 4, 5 ans encore. Et il est capable de dire, c'est même force juridique ou t'as évoqué au débat lié à la Ligue 1, oui. Écoutez, nous même au niveau de aider, nous réfléchissons exactement à ça, on dit là. Et c'est ça qui fait argumenter à nous, il n'y a pas de construit, au songer ça, il n'y a pas de construit au début sous question ou accord politique. Nous-mêmes, nous croyons que Ariel Henry, il est démissionnaire. Ça, c'est la première chose, parce qu'il n'a pas réalisé ça il y a quelques mois, il n'a pas réalisé. Mais la deuxième chose, et qui pour nous-mêmes, qui est plus important, c'est une démission qui est dérivée de incompétence Ariel Henry, incapacité pour le délivrer pendant 2 ans, il passait sous pouvoir. Donc ça lui-même c'est lui qui est fondamental pour nous. Mais maintenant qu'on y a et comme on qui a non bataille politique gagné en évidence, gagné en échéance qui a privé devant nous, nous devons anticiper, nous parler de lui.
mais li pas force argument nous. Ça c'est premier bagaille. Mais deuxième et en fait l'autre aspect dans deuxième bagaille là c'est que si ou bon monde t'a décidé mettre ensemble avec Ariel Henry. Dit monsieur ça t'a bien gouverné. Et monsieur ça t'a respecté engagement que nous prenons avec lui n'a pas loin quoi pour nous mettre là en 2050 mais nous-mêmes n'a aidé n'a prend note. Et nous pensons, j'ai nous ce doute à l'heure, te gen moun qui depuis plus 100 que Ariel Henry, qui vient arriver bat bas sous pression populaire, et ben nous-mêmes nous croyons, et quoi nous toujours dit, bataille moun yo pas gagné, peut pas y se pas gagné, c'est bataille qui va décider mener. Donc nous-mêmes nous croyons dans la mobilisation populaire, nous croyons que pression populaire, yo, même gens, et te gon époque moun yo prend des en main, yo dit bois calé, même gens gon l'autre époque, 30 août 2023, moun yo prend des en main, en main et Wanamet yo di y a continué canal que qui était débuté sous leadership moins après déclaration conjointe après déclaration conjointe 27 mai 2021 donc nous pensons que la population a la même capacité ça parce que niveau maturité qu'ils arrivent là pas laisser personne monde indifférent puis gars monde jamais penser que yo trop confortable yo trop à l'aise et qu'un bon matin et quelques petits groupes monde qui part pour la plupart représentatifs ces organisations qui fait pendant y a parlé à et ben yo dit moi son accord avec le ministre pour me dire et ben mon cher ou tellement bien dirigé bon l'autre année bon deux ans encore pour capable son élection type passe-court élection malaction avec un cahier pécopion et cetera donc on pas croire que ça est possible si est possible c'est pour Ariel Henry avancer non c'est pour le faire conseil électoral provisoire c'est pour le faire élection c'est pour l'avancer si le possible donc nous-mêmes ça qui est intéressant c'est que c'est des démocrates nous y nous pas dans dynamique tout y président nous pas dans dynamique nous t'as capable de dire seule façon pour nous croire nous capable à l'aise c'est faire des combinaisons et tout y un président en fonction. Et m'pas quoi c'est ça qui là je veux dire c'est pas coup d'état qui a la mode c'est des méthodes pacifiques des méthodes démocratiques pour nous dire ça pour pouvoir bon m'pas vraiment connaît un monde qui fait ça mais moi m'connais deux jours après président Jovenel Moïse fin désigné Ariel Henry deux jours après et il a assassiné président Jovenel Moïse responsable opération d'après un rapport de CPJA qui s'est Badio sous lieu crime dans les relais Ariel Henry et probablement pour l'informer de action que le fait hein? Ça c'est premier bagaille donc ça il est important pour nous songer mais deux ans après président fin assassiné et Ariel Henry toujours pas avlé que bon exécutif bicéphale de telle sorte que bon président sous tête lui ça veut dire nous-mêmes n'a aidé nous comprendre que c'est un monde qui est très allergique qui a un problème avec un pouvoir bicéphale qui est un président pour un premier ministre deux jours après au fin nommé au président assassiné deux ans après que le président fin assassiné ou toujours pas avec un exécutif bicéphale pour attacher avec nous finis, mais pour l'histoire, faut nous rappeler pendant l'assassinat président c'est vous-même qui était dans tête CSPN comme premier ministre Haï. Oui, c'était moi-même effectivement qui était dans tête primature là et n'a pas songé que coup d'état ça a fait bénéficiaire yo arrangé yo fait des accords entre yo et pour yo capable prendre véritable et bénéficiaire coup d'état capable là je dis ça c'est pour un bagage mais pas oublier tout que pendant moi était là et c'est presque des gonds vides parce que yo était fin nommé comme premier ministre mais Ariel Henry désigné comme premier ministre c'est gain un premier ministre désigné était comme premier ministre en fonction et on t'a dit qui au départ c'est ça que fait même et partisan coup d'état yo t'a organisé argument yo pour te dire que mais Claude yo t'a révoqué déjà pas oublier non c'est ça que t'a gain dans Magic 9 c'est ça qui t'a gain dans toute radio c'est ça que t'a gain dans conférence de presse. Yo révoqué Claude déjà, c'est Ariel Henry qui doit premier ministre. Donc coup d'état, excusez-moi, coup d'état est vraiment organisé et t'es gagné tout fanatique partisan coup d'état qui t'es prend toute radio. C'est ça que fait Léo et Badio par exemple. Yo arrêté Badio, jodi a nous bien content, mais sur téléphone yo ouais qui est pas là avec les deux monde qui était dans coup d'état qui t'a travaillé pour premier ministre ensemble avec Badio. N'a bien pour une bonne invitation pour une baille de coup d'état ça parce que mettez coup d'état
dans l'assassinat, ça veut dire que vous avez tout le président pour prendre pouvoir, si ça vous l'a dit. Docteur Claude Joseph, merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonne journée. C'est moi pour remercier, je vous remercie un peu.